Bon, t'as joué des points noirs, Stiche. Non, non, riez, si ça me donne un break, s'il te plaît, ce serait bien fin. Je sais qu'il y en a qui vont être surpris, mais. J'ai pas encore atteint mon poids santé. Fait chier quand ça rit à ce bout-là, mais bon. C'est drôle parce que, tu sais, quand t'es gros ou grosse, hein, tout le monde t'achale avec ça, perdre du poids. Moi, c'est fou comment tout le monde me cœure avec ça. Là. Ma blonde, mon médecin, mes genoux, hostiche, tout le monde, là. C'est... Non, mais il y a du monde qui pense que je fais pas d'efforts. Hey, chez nous, j'ai un mur d'escalade. Bon, OK, ma blonde appelle ça l'escalier qui va dans le sous-sol, là, mais... Ma blonde, elle est drôle, tu sais. Elle me dit, ah, tu me surprends pas assez, Philippe, tu me surprends pas. J'aimerais ça qu'on fasse des sports extrêmes. À un moment donné, je l'ai amené faire du bungee. Bon, j'ai choqué en arrivant, OK? J'ai eu peur. Mais j'ai pas eu peur que l'élastique pète, comme plusieurs personnes pourraient dire. Ma peur en bungee, moi, c'est qu'une fois rendu la tête en bas, j'ai peur que mon gros de cou fasse... C'est moi, mon but dans la vie, c'est pas d'avoir l'air d'un prépuce, mais ça, c'est moi, là. Puis, tu sais, moi, c'est niaiseux, mais honnêtement, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un régime. Bon, en fait, j'ai pas décidé de faire un régime, là. Quelqu'un dans mon couple a décidé que... Puis, tu sais, je l'appelle un peu mon régime à temps partiel parce que je suis souvent sur la route. Puis, tu sais, sur la route, c'est pas là que tu trouves des crudités à 2 h du matin quand tu reviens d'un spectacle, tu sais. Mais, tu sais, je roule en char, tu sais. Puis, moi, on m'avait toujours dit, quand t'es en char, c'est simple, là. C'est super simple, là. Puis, tu as faim, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Sauf que moi, je pisse aux 10 minutes. Non, mais c'est vrai. Puis, quand je mange, je fais caca aux 4 heures. Gars, laissez faire ce bout-là, OK? C'est pas. Non, et c'est sincèrement, tu sais, je bois de l'eau, puis là, mané, je suis sur la route, puis je m'en viens de Québec, tu sais. Puis là, mané, mon ventre, il fait... Traduction, je mangerais bien un cheeseburger double de chez McDonald's. Sauf que là, je suis dans mon char, puis tu sais, je le sais que c'est pas fin, parce que je suis avec ma blonde là-dedans, puis je dis non, je peux pas faire ça, ça se peut pas, c'est un manque de respect, il faut que je fasse attention, il faut que je prenne mon régime au sérieux, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'entends, « Bonsoir, je peux prendre votre commande? » Tu sais, elle est tellement polie, je peux quand même pas la décevoir, tu sais. Fait que là, je me dis, je vais être raisonnable, je vais prendre juste la sandwich, juste le cheeseburger double, tu sais. Fait que là, je dis, ben bonjour, je vais prendre juste la sandwich, juste le cheeseburger double, s'il vous plaît. Elle dit, vous avez dit en trio? Elle me dit, voulez-vous boire quelque chose? Je fais, je vais prendre une bouteille d'eau, tu sais, comme ça, ça élimine les épreuves et tout, tu sais. Fait que je vais prendre une bouteille d'eau. Elle dit, vous avez dit un Coke? Et là, tu sais, c'est super important parce que moi, j'aime pas les pickles ni la moutarde. Puis, tu sais, je me dis, je veux pas y dire pas de pickles, pas de moutarde. Il est à peu près 1h30 du matin. Je fais, tu sais, je veux pas qu'elle commence à faire. Ah, je sais pas, c'est où dans mon affaire. Fait que j'ai dit, je vais prendre mon cheeseburger double, seulement ketchup. Elle fait seulement ketchup, avancer au deuxième guichet. Là, je m'en vais au deuxième guichet, je paye ma commande. Puis là, j'attends ma commande. OK. Il faut que vous compreniez que moi, ma relation avec les cheeseburgers doubles, c'est une relation un peu d'amour. Si je pouvais me baigner dans une piscine remplie de cheeseburgers doubles, je le ferais sincèrement. J'aime les cheeseburgers doubles. C'est une passion pour moi, les cheeseburgers doubles. Fait que là, je suis même dans mon auto, puis je veux pas te décevoir, mon cheeseburger doubles. Tu sais, je veux pas qu'elle me regarde, puis qu'elle fasse comme « Oh non, pas une autre gros! » Fait que là, j'attends ma commande, puis je fais comme « Puis là, je suis dans puis j'attends, puis je la vois, elle a le sac à check dedans, je fais comme « Il s'en vient. » Elle me donne ma commande, je fais comme « Là, je la mets sur le banc d'à côté, je l'attache, puis on part. » Et moi, c'est super niaiseux, mais moi, là, comment je mange mon McDo, c'est super simple. Je mange mes frites en premier, OK? Jugez-moi pas, mais moi, je suce le sel, puis je mange la frite. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, c'est comme ça pour de vrai. Tu sais, je fais... Là, si vous me voyez dans un McDo un jour, venez pas me voir en faisant... Gros, tu manges pas tes frites? T'es suce pas de même? Tu sais, je veux pas, tu sais, puis quand j'ai fini, je plie le casseau, puis je garoche le casseau dans le fond du char, puis là, je roule, puis là...
Là, c'est là. Là, là c'est là. Je le sais, puis il le sait. Les deux, on le sait, tu sais, que dans les prochains instants, un des deux va manger l'autre. Puis là, je roule, puis ça va bien, puis j'ai du fun. Puis je mets ma main dans le sac, là, je fais comme... Il joue à cache-cache. Il m'a caché en tabarnouche parce que il cachait. Oui. À un moment donné, je lève les napkins. Je douche. Je fais comme... Je le sors du sac. Tout le papier est transparent, plein de gras. Je fais comme... J'ouvre mon cheeseburger, puis tu sais, il y a toujours la petite arôme qui fait... Laissez-moi... Fuck. Je jamme le volant avec mon pied, tu sais. Avec mon genou, là, pas avec mon pied. Pensez pas que je suis méga souple et je peux faire comme... Hey! Non, mais c'est vrai, tu sais, puis là... Là, je l'ai de même, puis je fais comme... Puis là, c'est le temps, là, je pogne ça à deux mains, puis je fais comme... Puis là, je fais bâtard, il goûte bien la marde! Je l'ouvre! Il avait pas mis de boulette, bâtard! Je suis en train de me taper une trempette au ketchup! Là, je fais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, voyons, ça se peut pas. Je dis, voyons. Puis là, je me mets à penser que j'ai demandé à la petite fille un cheeseburger double seulement ketchup. Non, mais là, je fais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tout le monde le sait qu'un cheeseburger double, ça vient avec deux boulettes, deux tranches de fromage. C'est comme la base du cheeseburger. C'est même ça, marche. Puis là, je suis fâché, puis je fais, bâtard. Ah, je dis, non, ça doit être chez, comme chez Ikea. Hein, les boulettes sont dans le sac, faut l'assembler, bâtard. Je sais pas. Faut chercher. Et là, je suis dans mon champ, puis je panique parce que c'est le coït interrompu le plus fou de toute ma vie, là. Non, mais on m'a jamais fait ça, moi, jamais, là. Puis là, je suis de même, puis je suis fâché, je baisse ma vitre, j'envoie chier McDo, j'envoie chier tout le monde. Puis je fais comme ça, pas de bon sens, ça pas de bon sens, puis je peux pas revirer de bord. Je peux pas revirer. Tu me vois-tu retourner de bord, arriver à peu près à 2h30, 3h dans le McDo, faire, excuse-moi. Tantôt, commandant, je suis burger double, seulement ketchup. J'avais pas mis de boulette. C'est clair que la fille, elle me regarde pas en faisant « On est désolé, monsieur, on va se reprendre tout de suite. » C'est clair qu'elle me regarde puis elle fait « Bon, le gros, il a mangé boulette. Puis là, il veut d'autres boulettes. » Et là, je suis fâché. J'ai jamais été fâché de même de toute ma vie, OK? Là, maintenant, je suis dans mon char, je suis en colère. Puis à un moment donné, je reviens à moi, tu sais. Puis là, je fais « Phil, la vie t'envoie un message. » Mais c'est vrai, si je continue de même, là, je vais arriver à 45 ans, je vais peser peut-être 450 livres, je vais crever. Je ne connaîtrai jamais mes enfants plus que 12, 15, 16 ans. C'est épouvantable, là. Ça, c'est pour ma santé que je fais ça. Il faut que je fasse attention, que je me prenne en main, tu sais. Puis à un moment donné, j'entends « Bonsoir, je peux prendre votre commande? »